Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau à la pomme super croustillant, très simple à faire et très rapide. Donc là, je prends un petit peu de beurre sur une poêle. J'ai coupé deux pommes, des pommes golden. Donc je mélange le tout. Je n'ai pas sucré, donc si vous souhaitez sucré, vous pouvez très bien le faire. Là, je mets un tout petit peu de cannelle et j'ai rajouté à la fin des cerneaux de noix. Là, ma pâte, elle a complètement refroidi, ma farce. Là, j'ai des pâtes à filo. J'ai du beurre fondu. Donc, je prends deux feuilles. Je badigeonne de beurre. Il faut bien insister de mettre du beurre de partout, car la pâte, elle est très fragile. Et si on ne met pas de beurre, donc ça sèche et elle se casse. Donc, j'ai des petits cure-dents juste à côté. Donc on plie et là on va mettre la farce. Voilà une petite quantité. Et là on tourne de cette façon. Si vous voyez qu'il n'y a pas de beurre, insistez à mettre du beurre vraiment de partout. Voilà comme ceci. Et ensuite maintenant on va faire un petit escargot. Si ça se casse un petit peu, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Là, je prends un cure-dent et je vais piquer le queue de la pâte. Donc on reprend pâte à filo, là j'en ai une. Voilà, du beurre de partout. Je prends une deuxième pâte. Ainsi de suite, je badigeonne de beurre. Donc si vous n'aimez pas la pomme, vous pouvez très bien le faire avec de la poire aussi, ça marche très bien. Voilà, on plie et on met la pomme. Et voilà, pareil, on met du beurre. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais faire cuire tout ça une vingtaine de minutes à surveiller. Donc ça m'a fait trois petits gâteaux. À la sortie du four, voilà, vous mettez directement, c'est hyper chaud, vous mettez le miel. Voilà, vous mettez du miel de partout. Et vous pouvez saupoudrer avec un petit peu de pistache. Bon, j'ai pas laissé reposer, mais voilà, c'est encore très très chaud. Et c'est super croustillant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.